إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le mois du Ramadan, c'est un mois du repentir. Et tout le monde le sait, que l'homme, de par sa faiblesse, tombe dans le péché. Et cela est inéluctable. Labud min dhalik. Amran hatman. C'est-à-dire que c'est une chose qui est obligatoire pour l'homme. Il est obligé de tomber dans le péché, l'homme. Et il est même indiqué dans un hadith authentique que si l'homme n'avait pas tombé dans le péché, Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, aurait créé d'autres hommes qui eux auraient tombé dans le péché et qui seraient repentis à Allah Azzawajal, qui auraient fait acte de repentir. Parce que c'est ça le but, c'est que l'homme se repent. Et on va voir quelle est l'importance du repentir par rapport à l'islam. Et pourquoi on en parle durant ce mois-là, le mois du Ramadan, plus précisément. Donc l'homme, il tombe dans le péché. Cela est inéluctable. Et également, on va voir en l'homme un manquement aux obligations. Et ça, ça apparaît également chez beaucoup de personnes, pour ne pas dire la plupart. Un manquement également aux obligations. Taqsir. Mais alhamdoulillah, de par cette religion qu'Allah Azzawajal a parachevée sur nous, de par la descente de son Coran et de par la sunna de son prophète salawatullah wa salamun alayhi, on sait qu'Allah, il a ouvert les portes, il nous a ouvert les portes de par sa miséricorde qui est immense. Et ces portes-là qui vont nous permettre de nous nettoyer de ces péchés et de ces souillures. Wallahu musta'an. Et parmi ces portes qu'Allah Azza wa Jal, il a ouvertes, le repentir. Et le moment est propice, très propice, durant le mois du Ramadan. Lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, nous dit « Idha ja'a Ramadan » lorsque le mois du Ramadan il vient, « Futtihat abwabul jannah » les portes du paradis sont ouvertes. Et dans une autre version qui est rapportée, elle, par l'imam muslim, « Futtihat abwabul rahmah » les portes de la miséricorde sont ouvertes. Ces portes du paradis et ces portes de la miséricorde sont ouvertes durant le mois du Ramadan. Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran, et les portes de l'enfer ont été refermées. Usuffidat ash-shayatin, et les shayatin, les djab, ils sont enchaînés bis-salasil, c'est-à-dire par des chaînes. Donc c'est un moment qui est propice de par ce hadith. Un moment très propice pour l'homme pour qu'il revienne à Allah Azzawajal durant ce mois-là et qu'il fasse une tawbah qui va être sincère. Et il dit Allah Azzawajal dans son Coran, وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ, et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, et pardonne les mauvaises actions. ويعلم ما تفعلون, et sait ce que vous faites. Et Allah عز وجل également il dit في كتابه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Quiconque agit en mal ou fait du tort à lui-même, أو يظلم نفسه, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, il trouvera alors Allah pardonneur et miséricordieux. Trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et il dit également Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez tous ces versets qui nous invitent, tous ces versets qui nous invitent
à revenir à Allah Azzawajal. Et lorsqu'on sait que les portes du paradis elles sont ouvertes durant ce mois béni, alors en profiter pour pouvoir se repentir d'une manière sincère devant Allah Azzawajal. Allah Azzawajal dit également: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, c'est-à-dire ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah Azzawajal, certes Allah Azzawajal c'est celui qui pardonne les péchés, tous les péchés, جميعا. إنه الغفور الرحيم. Comment on comprend ce verset? Dans un premier temps, on a الترغيب والحث على التوبة والاستغفار, c'est-à-dire que dans un premier temps, à travers ce verset, on va trouver qu'Allah Azzawajal nous incite à demander pardon à Allah Azzawajal et à faire acte de repentir. Et Ibn Abbas disait à propos de ce verset d'autre, radiyallahu ta'ala anhuma, من أيس عباد الله من التوبة بعد ذلك فقد جحد كتاب الله عز وجل. Il disait: ceux qui ont désespéré, les esclaves d'Allah عز وجل, de cette tauba, de se repentir après cela, alors il a certes rejeté, réfuté le livre d'Allah عز وجل, le très haut. Allah عز وجل c'est lui qui pardonne tous les péchés. Mais comment il pardonne tous ses péchés, Allah Azzawajal? Est-ce qu'il pardonne tous ses péchés sans même tauba? Ou est-ce qu'il nous faut un repentir pour ses péchés? Et quels sont les péchés qu'il pardonne sans tauba et ceux qu'il pardonne avec tauba? Pour ce qui est de ce verset, bien entendu, wa muqayyad, c'est-à-dire que il va être restreint à un autre verset qui est venu mettre en évidence quel est ce genre ou quelle va être la condition pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Et c'est le verset suivant: Allah Azza wa Jal yaqul wa inni la ghaffar, wa inni la ghaffar, c'est-à-dire que je suis le très pardonneur, celui qui pardonne beaucoup. La ghaffar, wa inni la ghaffar liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Je suis le très pardonneur. Liman, pour qui? Regardez le verset ici. L'imen, pour qui? L'imen taba, pour celui qui se repent. Wa amana wa amila saliha, et qui a cru et fait de bonnes œuvres. Wa amila salihan thumma tada, qui a suivi le droit chemin. Wa inni la ghaffar, je suis le très pardonneur. Et bien entendu ici, comme cela est connu, les savants divisaient les péchés en deux catégories pour ce qui est de leur importance: Al-Kabair wa Sarair, c'est-à-dire les grands péchés et les petits péchés. Pour ce qui est des petits péchés, il faut savoir que les bonnes actions parmi ceux qui yukaffir as-sarair, c'est-à-dire parmi ceux qui expient les petits péchés, en plus bien entendu de la demande de pardon al-istighfar, ce sont les bonnes actions. Comme il est venu dans le hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. C'est-à-dire que الصلوات الخمس, les cinq prières que l'on va faire, donc on fait nos cinq prières, et entre eux, chaque prière, on va faire des péchés, on va tomber dans le péché, l'homme va tomber dans l'erreur. Ces prières que l'on va faire, تكفر, c'est-à-dire qu'elles vont bien entendu expier ce qui s'est passé entre elles, entre ces prières. Par exemple, entre le dhuhr et le asar, comme péché. Bien sûr, ici, les petits péchés. Les péchés mineurs, comme cela va être détaillé à la fin du hadith. Bidnas al-hadith. As-salawatul khams, les cinq prières. Ou al-jumu'atu ila al-jumu'ah. Également, la prière du vendredi. C'est-à-dire entre les deux prières du vendredi, les péchés qui sont passés entre ces deux prières. C'est-à-dire du vendredi au vendredi prochain, Allah Azza wa Jalla également, il va, de par l'acquittement et de par l'accomplissement de cette obligation, il va également pardonner les péchés, les petits péchés. Wa Ramadan ila Ramadan, et également ici, ce qui est cité dans le hadith, c'est le mois du Ramadan jusqu'au mois du Ramadan. C'est-à-dire ce mois-là,
et le mois qui est passé d'avant. Le mois qui est passé d'avant, jusqu'à ce mois-là, ce qu'il y a eu entre les deux, Allah Azzawajal, si cela a été accompli, bien entendu, ces obligations ont été faites, à la loi du matloub, c'est-à-dire qu'elles ont été faites comme il se doit, comme elles ont été demandées, suivant la législation, et suivant une niya saliha, une bonne intention, alors elles permettent de pardonner ce qu'il y a entre les deux. Mukaffiratun lima baynahunna. Donc, elles expient. Tout cela expie ce qu'il y a entre elles, bien entendu, par rapport à la durée. Idha ijtunibat al-kaba'ir. Donc ici, une condition qui va être dite et dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha ijtunibat al-kaba'ir. Lorsque les grands péchés sont écartés. Lorsqu'on s'est écarté donc des grands péchés. Donc le hadith, il est wadih, très clair et très explicite. Et l'on comprend à partir de lui que cela concerne les petits péchés. Comme dans le verset que l'on a lu, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Il va comprendre également en ce verset les grands péchés, mais ici, à condition, comme on l'a vu dans l'autre verset, وَإِنِّي لَغَفَّارْ لِمَنْ تَابَ. Pour celui donc qui a fait l'acte de repentir. Pour celui qui a fait l'acte de repentir. Et ça, ça concerne bien entendu, et c'est une condition ici pour ce qui est des grands péchés. Même si certains savants disent que بِمُجَرَّدَ الْإِسْتِغْفَارِ, il se peut que la personne, de par l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon, qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés. Tous ses péchés. Adam min fadlillah ou min rahmatillah. Mais qui peut prétendre cela? Qui peut avancer cela? Sachant que dans le hadith, comme il est cité, et également dans les autres versets, comme on les a compris, c'est que pour ce qui est des grands péchés, pour le pardon, il faut le repentir. Déjà dans cette vie d'ici-bas, il faut le repentir. Et également par rapport à ce verset, il ne va pas rentrer dedans ce qui est du shirk, sinon également avec le repentir. C'est-à-dire que même le plus grand des péchés, qui est l'associationnisme, il faut que la personne yatoub, c'est-à-dire qu'elle se repente si elle est tombée dans l'associationnisme, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, c'est-à-dire majeur ou mineur. Allah Azza wa Jal accepte ce repentir si durant sa vie il se repent vers lui subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et qu'ensuite, bien entendu, yursin islam, c'est-à-dire qu'il accomplit son islam comme il se doit. Tayyib. Et ça concerne le polythéisme majeur et mineur également. C'est-à-dire que, et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants parmi les muhaqqiqin, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que celui qui tombe dans le polythéisme mineur et qui ne se repent pas, alors il ne rentre pas tahat al-mashi'a. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas sous la volonté d'Allah Azzawajal pour ce qui est de l'expiation des péchés. Comment on comprend cela? C'est-à-dire que automatiquement, celui qui tombe dans le shirk al-asrar, polythéisme mineur, automatiquement il sera châtié. Et il ne rentre pas sous la volonté d'Allah Azzawajal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Mashia ici? C'est bien entendu cette parole connue, si Allah Azzawajal veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Ici non, s'il tombe dans le shirk, que ce soit le grand ou que ce soit le petit, il sera automatiquement châtié. Sauf, bien entendu, à une seule condition, c'est ici à Tawba. C'est-à-dire qu'il revienne de ce qu'il a fait. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, qu'on associe à lui quoi que ce soit. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc il est rentré ici, dans ce verset-là, anwa' al-shirk, c'est-à-dire les catégories du shirk. Et bien entendu, shirk al-akbar ou al-asrar, on comprend à partir de là que si la personne elle tombe dans l'associationnisme mineur, alors il faut savoir que il ne sera pardonné qu'à une seule condition, c'est-à-dire al-tawba, c'est-à-dire le repentir. Contrairement donc aux autres péchés, et on veut dire par là les grands péchés al-kabair, que si l'homme meurt sans tawba, c'est-à-dire si l'homme meurt sans tawba, alors de par ses grands péchés, il sera bien entendu tahta al-mashi'a, il sera sous la volonté d'Allah Azzawajal. Et on veut dire par là, soit Allah Azzawajal lui pardonnera sans même donc cette tawba, s'il veut subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, ou il le châtiera. Et Allah Azzawajal est bien plus savant de ses créatures. Et également, lorsqu'on parle donc de tawba et lorsqu'on parle de ce mois du Ramadan, alors voici un hadith qui peut faire frémir, wallah al-musta'an.
un hadith qui peut faire peur lorsqu'on l'entend et qui comprend bien entendu et qui est en relation avec ce qu'on est en train de citer. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar. Il est monté sur son minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith là, il est rapporté par Ibn Khuzaymah wa l'imam Ahmed wa al-Bayhaqi min turuq, c'est-à-dire de plusieurs chaînes de transmission, an Abi Huraira, et c'est un hadith qui est authentique. Et l'origine de ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, de par fil ma'na, c'est-à-dire de par son sens. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar. Il a dit trois fois Amin. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amin, Amin, Amin. Lorsque les compagnons ils ont entendu cela, on lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, innaka sa'at al-minbar. C'est-à-dire, ô envoyé d'Allah, tu es monté sur le minbar et tu as dit trois fois Amin. C'est-à-dire, tu as dit Amin, Amin, wa Amin. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Écoutez bien cette parole. Écoutez bien ceux encore qui sont dans le péché durant ce mois du Ramadan. Regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Jibril alayhi salam atani faqal. Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, que la paix soit sur lui, m'est venu. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, et il a dit Man adraka shahr Ramadan. Celui donc qui est parvenu au mois du Ramadan. Falam yughfaru lah, et qui n'a pas été pardonné. Fadakhala an-nar, il rentre dans le feu. Fa'ab'adahu Allah, et Allah azza wa jal l'écartera. L'écartera bien entendu ici de sa miséricorde. Alors, il a dit de dire Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul amin. Dis amin. Ici c'est bien entendu en forme d'invocation. C'est-à-dire qu'il va invoquer à ceux qui n'ont pas été pardonnés durant ce mois, qui n'ont pas eu l'opportunité, ou plutôt qui n'ont pas profité de ce moment propice pour revenir à Allah Azzawajal, pour faire acte de repentir et pour demander pardon à l'istighfar, demander pardon à Allah Azzawajal de ses péchés, de leurs péchés. Qul amin, faqultu amin, amin, amin. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété trois fois amin par rapport à ce que Jibril a dit comme invocation, à titre d'invocation ici, wallah al-musta'an. Hadha al-hadith, ce hadith-là, il faut bien qu'on s'en rappelle durant ce mois béni. Et qu'on se rappelle cette dua de Jibril, alayhi salam, contre ceux qui ne vont même pas profiter de ce mois-là pour demander pardon à Allah Azza wa Jal et de se repentir donc, de se repentir à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, wallah al-musta'an. La ilaha illallah. Et pour ce qui est de Tawba, il faut savoir que Tawba, comme le citent les savants, il n'y a pas un acte qui est venu dans le Shara, dans la législation, et qui a été plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. لأن الله عز وجل, il se réjouit. Réjouissance ici, Al-Farah, il se réjouit lorsque l'homme revient à lui repentant. Il se réjouit Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Farah, et Al-Farah taban min sifatillah, c'est-à-dire que ça fait partie des attributs d'Allah azza wa jal, un attribut qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala, yaliqu bi jalalihi, un attribut qui lui appartient et qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala, et dont il ne ressemble à personne parmi ses créatures à travers cet attribut comme tous les autres attributs. Et tout le monde connaît ce hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans, mais ici à titre de rappel, pour qu'on se rappelle comment Allah azawajal il aime cette tawba et comment ce hadith il est venu pour nous expliquer comment cet acte il va être accueilli par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde le sait. Lorsqu'une des personnes, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est perdu dans le désert et qu'il a perdu sa monture, et que sous sa monture il y avait bien entendu azad, c'est-à-dire ce qu'il a emporté comme nourriture, comme boisson, ce qu'il avait besoin bien entendu durant son voyage, azad.
Qu'est-ce qu'il a dit quand il lui est arrivé cela? Il a dit Arji'u ila makani alladhi kuntu fihi anam hatta amut. C'est-à-dire, je vais revenir donc à l'endroit où j'étais avant que je perde ma monture et que je dors jusqu'à que je meure. C'est terminé, je suis dans le désert. Terminé. Comment vais-je faire maintenant sans une seule nourriture, sans même pouvoir monter sur ma monture afin de me diriger? Regardez comme il a pensé que c'est terminé. Donc il a vu Al-Halak, il a vu la perdition devant lui, il a vu la mort devant lui, pour bien comprendre ce hadith. Après qu'il dort, فَيْسْتَيْقَذَا وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُ وَعَلَيْهَا زَادُ وَطَعَامُ وَشَرَابُ. Lorsqu'il s'est réveillé, alors qu'il croyait que c'était fini pour lui, il va voir devant lui sa monture. Et sur sa monture, il va voir donc sa nourriture. Il va voir la boisson telle qu'elle était auparavant devant lui. Regardez donc comme il va être joyeux. Regardez la réjouissance qu'il va sentir. Est-ce qu'on peut ressentir une réjouissance plus forte que cela à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fallahu ashaddu farahan bi tawbati al-'abd al-mu'min min hadha bi rahilati wa zadi. Subhanallah. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azawajal est encore plus heureux, ou il se réjouit encore plus, Allah azawajal, de par le repentir de son serviteur le croyant. Que celui-là, que cette personne-là, lorsqu'elle s'est réjouie, au moment, bien entendu, où elle a trouvé sa monture. Et cette riwaya, cette version, elle se trouve auprès de l'imam Muslim. Regardez donc comment le tawba, il est accepté auprès d'Allah azawajal. Et on ne voit pas un acte qui a été accueilli de telle façon auprès d'Allah Azzawajal parmi le Coran et la Sunna, comme l'ont précisé les savants. Donc, Tawbah Amrun Azim, c'est-à-dire que c'est une affaire qui est, c'est un point, c'est une chose, c'est une adoration qui est immense, la Tawbah. Et pour ce qui est de Tawbah, bien entendu, pour ce qui est de cette Tawbah, elle a des conditions, cette Tawbah, pour qu'elle soit acceptée. Maintenant, ce qui nous intéresse, lorsqu'on sait que cette tawbah-là, il faut la faire à tout moment, et encore plus durant le mois du Ramadan, où ici c'est encore plus appuyé, c'est-à-dire son accomplissement, alors il faut savoir qu'elle a des conditions, la tawbah. Et que ces conditions que l'on cite, et qui sont au nombre de trois de façon générale, c'est-à-dire donc pour la tawbah qui est de façon générale, et qui est bien entendu au moment où elle est encore acceptable. C'est-à-dire qu'on sait que la tawba ne sera plus acceptable au moment où l'âme sort de l'homme, au moment de ce qu'on appelle al-ghar-ghara, et également au moment où tatla ash-shams min maghribiya, c'est-à-dire au moment où le soleil va se lever de son orient. À ce moment-là, on le sait, la tawba ne sera plus acceptée. Ça, c'est pour ce qui est du temps. Mais de façon générale, la tawba, elle a trois conditions. Elle a trois conditions qui sont en relation avec les trois temps. Et on veut dire par les trois temps le présent, le passé et le futur. Le présent, le passé et les futurs. C'est-à-dire que cette tawbah, elle est en relation avec ces trois temps. Pour ce qui est du présent, et la première condition qui est demandée, c'est al-iqla' an al-ma'asi ou an al-ma'asiya. C'est-à-dire que la personne délaisse le péché avant donc de commencer cette tawbah. Et qu'il s'en écarte. Ça, c'est al-iqla'. Et bien entendu, ça, c'est fil-hal. Ça, c'est dans le présent. Dans le moment même où je ferme ma tawbah, il faut que j'arrête ce péché. Totalement. Al-iqla' an hadhihi al-ma'siya. Ça, c'est la première condition. Et qui concerne le présent. La deuxième condition qui va être propre au passé, filmadi, un nadam, c'est-à-dire qui est le regret. Un nadam qui est le regret. C'est-à-dire regretter de manière sincère ce péché que l'on a accompli durant le passé. Donc on voit bien ici que ça revient au passé. Ce qu'on a fait dans le passé ici, en avoir le regret sincère. Et bien sûr ici, Adamin A'mal al-Quloub, comme également la troisième condition que l'on va voir, Adamin A'mal al-Quloub, c'est-à-dire ça fait partie des actes que le cœur il va faire. Le regret, c'est un acte du cœur. Ça, c'est pour le passé. Donc regretter sincèrement. Et fil mustaqbal, c'est-à-dire dans le futur,
العزم أن لا يعود c'est-à-dire la ferme volonté, une décision ferme de ne plus y revenir, de plus revenir à ce péché. Également ici العزم من عمل القلوب, c'est-à-dire également c'est un acte du cœur. Donc ça c'est fil mustaqbal, c'est pour le passé, et qui est donc العزم, la ferme volonté de ne plus y revenir. Ça c'est les trois conditions. Et bien entendu l'autre condition également qui est citée et qui est plus particulière, c'est dans le cas où on a par exemple pris le bien d'une personne ou autre, alors, et qui est bien sûr considéré comme un péché, alors bien entendu lui rendre ce qui a été pris. Ça c'est une des conditions qui est particulière, suivant bien sûr un cas qui est particulier. Sinon de façon générale c'est trois conditions. Et il faut savoir, et c'est un point qui est important également, et ça on pourrait le faire rentrer dans les erreurs que font les personnes par rapport à la Tawba, les erreurs, les grandes erreurs que font les personnes par rapport ou ce qui est en relation avec la Tawba. C'est cette première erreur, et ça bien entendu c'est une grande erreur, et beaucoup de gens à cause de cela ils ne font pas Tawba. C'est qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent peut-être que maintenant je fais Tawba, mais j'ai peur en fait, de par ma faiblesse, de retourner dans ce péché. Regardez un petit peu. C'est-à-dire que la personne, elle fait pas sa Tawba tout simplement parce que son âme lui dit, si tu fais maintenant cette Tawba, tu es faible. Peut-être que tu vas encore retourner dans ce péché. Donc, à quoi bon sert cette Tawba? Il faut savoir que si les trois conditions elles sont réunies, et notamment et plus particulièrement la troisième condition qui est la azm, c'est-à-dire la ferme volonté à ne plus y revenir à ce péché-là, ou au moment où on a fait notre Tawba, alors notre Tawba elle est acceptée comme telle. Et bien entendu ici, la personne, ça revient à son cœur, et elle sait dans son cœur réellement au moment où elle fait sa Tawba, si vraiment elle a eu l'azm, elle le sait ça. Et si après cela, après qu'elle a eu donc l'azm, la ferme volonté, et qu'elle retombe dans le péché, dans ce même péché, ou qu'elle retombe dans les péchés de façon générale, on va revenir pour ce qui est de Tawbatu al-Am ou al-Khas, si elle revient à ce péché ou ses péchés, après qu'elle a eu sa Tawba qui était acceptée, c'est-à-dire les trois conditions ont été remplies et comme telles, alors il faut savoir que cela n'a pas d'influence à sa première Tawba, si c'était la première par exemple, et qu'elle était acceptée auprès d'Allah Azzawajal. Mais que maintenant, du fait qu'il est retombé dans le péché, il a besoin de refaire une autre Tawba, c'est-à-dire de revenir. Et bien entendu, une nouvelle fois, d'être ferme dans sa volonté. Et s'il retombe encore une autre fois après, je dis bien, en ayant été ferme dans sa volonté, alors cette deuxième Tawba sera également acceptée, et même si cela c'est une centaine de fois. À chaque fois, la Tawba sera acceptée, si les conditions sont remplies. Et bien entendu, c'est si bien entendu la personne fait Tawba, et déjà avec sa niya, elle n'a pas la azm, c'est-à-dire qu'elle sait déjà où elle veut déjà retomber dans le péché, c'est-à-dire de par sa volonté, elle veut retomber dans le péché, bien entendu, elle n'aura pas ici accompli et répondu à la troisième condition. Donc la chose est claire, mais pour celle qui a répondu à ces conditions, et particulièrement à la troisième, et qui est retombée dans ce péché, cette Tawba elle est acceptée par Allah Azzawajal, et ainsi de suite. Ça donc c'est une première erreur que la personne fait pour ce qui est du Tawba, et particulièrement également dans ce mois du Ramadan, dans ce mois béni où les portes de la miséricorde sont ouvertes et les portes du paradis sont ouvertes. Également une erreur qui est faite, et une erreur qui est importante, c'est ta'jil at-tawba, c'est-à-dire toujours remettre la tawba et le repentir à plus tard, c'est-à-dire le retarder. Également ça c'est une grosse erreur, et bien souvent ça vient de ce que la personne croit qu'elle va mourir bien plus tard, al-amal, c'est-à-dire qu'elle a encore l'espoir qu'elle va vivre longtemps. Qui c'est qui t'a dit que demain tu ne vas pas mourir? Qui t'a fait prendre connaissance de la date de ta mort? Personne, Adam ibn al-Ghayb, ça fait partie de l'invisible, personne ne peut savoir quand il va mourir ou où il va mourir. Donc également une des grandes erreurs qui est faite par l'arabe et qui est ta'jil at-tawba, c'est-à-dire remettre le repentir et le retarder. Également une grande erreur qui est faite chez ceux qui veulent la tawba, ceux qui pratiquent, qui font acte de repentir, c'est ce qu'on appelle al-raflatu an at-tawba, mimma la ya'lamu al-'abd min dhunubihi. C'est que dans certains cas, et ça c'est grave également, c'est que dans certains cas, la personne, elle fait des péchés, soit des péchés qui sont dissimulés, ou soit elle fait des péchés dont l'homme
l'ignore. C'est-à-dire qu'elle fait des péchés dont elle ignore que ces péchés, que ces péchés sont des péchés. Que ces péchés sont des péchés, considérés comme des péchés. La personne, elle l'ignore. Donc comment elle va faire tawbah d'un tel péché? Et également, comment elle va faire tawbah d'un péché qui est dissimulé? C'est-à-dire qu'elle ne voit pas et qu'elle ne ressent pas. Et pourtant, c'est bel et bien un péché. Et ici, la seule condition pour que cela soit, bien entendu, effacé et accepté, c'est ce qu'on appelle donc tawbatu amma. C'est-à-dire une tawbah qui va être générale. Et maintenant, on va voir qu'il y a deux sortes de tawbah. C'est-à-dire la tawbah, le repentir qui est général. C'est-à-dire que la personne, elle fait un tawbah de tous ses péchés. Qu'elle fait un tawbah de tous ses péchés. La personne, elle a plusieurs péchés, elle décide de faire un tawbah de tous ces péchés-là. Ça, c'est tawbatun amma. Et bien entendu, par rapport à ça, si la tawbah, elle est acceptée et si elle est faite comme il se doit, alors tous les péchés seront effacés et Allah Azzawajal va accepter cette tawbah comme telle. Mais il y a également, et donc c'est ici qu'elle a son rôle, cette tawbah. C'est-à-dire qu'elle va non seulement nous pardonner les péchés qui sont dissimulés, mais également les péchés qui sont ignorés. Et on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est également une invocation. Et une invocation que l'on va maintenant apprendre tout le monde, tellement elle est importante cette invocation, que tout le monde va apprendre, qu'on va l'écrire en arabe, en phonétique s'il le faut, et également en français sa traduction, pour qu'on l'apprenne et qu'on la sache, cette doua, tellement elle est importante. Pour ce qui est donc de la deuxième tawbah, c'est celle qui est khasa, tawbatun khasa, celle qui est particulière. Et on veut dire par là, celle qui est particulière, c'est la personne a plusieurs péchés, mais elle fait la tawbah par rapport à un péché, c'est-à-dire qu'elle veut arrêter ce péché-là, qui est particulier. Et donc elle fait un tawbah par rapport à ce péché. Ça, c'est ce qu'on appelle tawbatun khasa. Donc, bien entendu, si la personne fait tawbah par rapport à ce péché sera pardonné, et ce repentir sera accepté par rapport à ce péché. Par rapport à ce péché, il sera accepté, bien entendu. Mais les autres péchés restent comme tels. Taïb. Donc ça, c'est tawbatul khasa, celle qui est particulière. Donc différence entre celle qui est âme et celle qui est particulière. Et celle qui est particulière et qui va être faite par l'abd, bien entendu ici, il ne va pas rentrer, il ne va pas pardonner les péchés qui sont dissimulés ou ceux dont l'homme ignore que ce sont des péchés qui sont comme tels. Et ici, un hadith qui nous concerne et qui est très important. Un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fi Adab al-Mufrad, fi Adab al-Mufrad, qui est un hadith authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ash-shirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabib an-naml ». Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'associationnisme, et qui fait bien entendu l'associationnisme fait partie des péchés, il est considéré comme un péché. Lorsque on dit al-kabair, les grands péchés, bien entendu, ça c'est un istilah, c'est-à-dire c'est une convention que l'on dit pour différencier ce qui est des grands péchés et qui rentre donc tart al-mashia, qui rentre donc sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. S'il veut, il pardonne, s'il veut, il ne pardonne pas pour celui qui n'a pas fait repentir, contrairement au shirk. Mais le shirk, kajins, c'est-à-dire comme nature, c'est également un péché, considéré comme un péché, le plus grand des péchés. Ash-shirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabib an-naml. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'associationnisme dans cette communauté est encore plus dissimulé. Il fait une comparaison ici. Lorsqu'on voit une fourmi, cette fourmi, elle marche. Cette fourmi, lorsqu'elle marche sur ses pattes, il y a un bruit qui va en sortir automatiquement. Mais ce bruit, il est tellement infime. Est-ce que c'est possible qu'on l'entende? Est-ce que c'est possible qu'on entende donc, de par nos propres oreilles, qu'on entende donc cette mouche, ou arfouane, cette fourmi qui est en train de marcher? Bien sûr, non. Le prophète sur cela, il fait une comparaison par rapport à cela. Il dit « Akhfa min dabib an-naml ». C'est-à-dire qu'il est encore plus dissimulé que ce bruit que fait la fourmi lorsqu'elle marche. Faqala Abu Bakr, lorsqu'il a entendu cela, Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala an, qala fa kayfa al-khullas min ya Rasulullah, c'est-à-dire comment on va s'en débarrasser donc de cela, ô prophète d'Allah. Et c'est à ce moment-là que le prophète, il va lui enseigner une doua. Et donc, il l'enseigne à Abu Bakr, il l'enseigne à sa communauté présente et à sa communauté à venir, à tout le monde, à tous les musulmans. Et cette doua qui est la suivante. Allahumma, inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam. Ça, c'est la première partie.
Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam. C'est-à-dire ici, on demande, ô mon Seigneur, on demande ici la protection. On demande à Allah Azza wa Jal la protection, ô mon Seigneur. Je demande donc protection auprès de toi, inni a'udhu bika an ushrika bik. C'est-à-dire que je fasse acte d'associationnisme, que j'associe à toi. Donc, quoi que ce soit, an ushrika bik wa ana a'lam. Et je suis, et je sais, c'est-à-dire je suis conscient de cela, et j'ai science de cela. Donc ici, c'est un état de science. Wa ana a'lam, c'est-à-dire que je sais ce que je fais. Taïb, donc ici on demande de se protéger pour ne pas tomber dans ce qu'on sait qui est shirk et qu'on pourrait y tomber dedans. Donc avec science, bi'ilm ici. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Et la deuxième partie, wa astaghfiruk lima la a'lam. Et je demande donc pardon, et je te demande donc pardon pour ce que je ne sais pas, dont je n'ai pas science, la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon pour ce que je ne connais pas, et je ne sais pas, dont je n'ai pas science. Donc regardez cette doua comme elle est importante, et donc tout musulman il l'apprend, et il la répète cette doua, et il l'a dit. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Et également une mise en garde qui est faite, et c'est le dernier point inshallah par rapport à ce sujet là c'est tawbatul kadhabin, c'est-à-dire le repentir des menteurs, ceux en fait qui vont délaisser les péchés à cause d'un mania, c'est-à-dire que ce soit une maladie, une chose qui les a empêchés de faire ces péchés. C'est-à-dire que ce soit à cause d'une maladie ou que ce soit une cause quelconque. Ou alors également de peur ou dans l'espoir d'une place d'honneur. C'est-à-dire la personne a peur de perdre sa place, une bonne place qu'elle a, alors elle délaisse le péché. Ou alors, au contraire, elle veut atteindre une place en la société ou autre, et donc elle délaisse également ses péchés dans ce but-là. Et si bien entendu, et elle va considérer ça comme tawba. Et si ensuite l'occasion lui revient donc de refaire ses péchés, que la maladie cesse, se dissipe, il soit guéri, ou que cette impossibilité devienne possibilité, alors on le voit qu'il revient directement à ce péché. Ça c'est tawbatul kadhabin. Ça c'est le repentir des menteurs. Ayyadan billah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.